Bonjour, ce cours présente comment changer son fond d'écran sous Windows Vista. Alors, là on a un magnifique logo NetProf. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un bouton droit, donc on se positionne au milieu de l'écran, on fait un bouton droit sur sa souris. Donc sur la souris il y a deux boutons, on clique sur le droit. Et là, il nous affiche en bas un personnalisé. Donc là, bouton classique gauche. Voilà. Et là, il nous affiche personnaliser l'apparence et les sons. Et là, vous aviez arrière-plan du bureau. Voilà. Là, il nous demande est-ce qu'on veut avoir une seule image, une mosaïque d'images, ou alors juste une image centrée. Alors, souvent, ce qu'on fait, c'est effectivement une image qui est adaptée à la taille de l'écran. Et là, il vous dit où est-ce que vous êtes aujourd'hui. Vous faites parcourir. Vous allez dans vos dossiers où vous voulez, par exemple dans images, photos, parce que moi j'ai envie de mettre une photo qui m'appartient. Donc on double-clique dessus. Voilà. Et on sélectionne l'image que l'on souhaite. Voilà. Ouvrir. Et voilà. On fait OK. On ferme. Et voilà, on a donc l'image que l'on souhaite en fond d'écran. Je vous remercie. Au revoir.